Tu peux m'expliquer ce que tu fais là? PPG. Comment ça PPG? Bah je coupe du bois. C'est pas ça la PPG. Ah bon? Moi je vais te montrer ce que c'est de la PPG. Allez, go. Allez. Alors premier exercice, Johan, je connais, c'est le gainage. Je te montre. Position sur les bras. Et on tient. Pas vraiment ça, hein? Hein? C'est pas vraiment ça. Ah, pardon. Comme ça? Voilà, c'est mieux là, non? Ouais, non, non plus. Remonte un peu le bassin quand même. Le bassin? Ouais. Ah! Comme ça, la tête bien droite, dans l'axe du dos. Ok. Et voilà. Et là, tu travailles et tes dorsaux et tes abdos. C'est vachement plus dur, dis donc. Bah ouais, c'est vachement plus dur. Ouais. Mais c'est justement le but. C'est, tu vas solliciter toutes tes chaînes dorsales et abdominales. Et voilà, t'as pas besoin d'en faire beaucoup. Tu peux commencer par 30 secondes de chaque côté. Ouais. Donc pour l'instant, t'as fait le ventre. Tu vas faire l'autre côté, l'autre côté droit, okay, et côté gauche. Côté droit, comme ça, donc? Ouais, exactement. Sur un bras? Ouais, sur un bras. Voilà. Tu vas mettre tes trucs, tu remontes ton bassin dans l'axe, et pareil, tu fais 30 secondes de ce côté-là, et on fera pareil sur le côté gauche. Et ça, tu répètes l'opération 3 fois. On fait plusieurs tours, c'est ça? On fait plusieurs tours. D'accord, ok. Et tu peux faire ça juste après l'entraînement, ou juste avant l'entraînement, avant de partir rouler. Ça te fait un petit réveil musculaire. Ok, merci. C'est bon, Johan, je suis bien là? Non, c'est pas terrible. Vas-y, je vais te montrer. Alors moi, j'utilise un accessoire, on n'est pas obligé de l'utiliser. Ouais. Mais tu vois, ça c'est vraiment les poignets, c'est assez pratique. Tu mets ça sur ton tapis. Bon là, on n'est pas dans ma salle, mais c'est un peu plus simple. Hop, on se met comme ça. Tu peux travailler à différentes intensités. Tu peux rester ici, tu peux rester là. Et là, tu travailles vraiment. Et dès l'instant où tu commences à trembler, tu tiens. C'est que tu travailles. C'est que tu travailles. Ok. Donc après, tu peux faire exactement la même chose sur les côtés. Ouais, remonte un peu là, je vois que t'es pas très... Voilà. Ça fait pas assez. Et puis pareil, on a le Swiss ball. Exactement pareil. Ça, ça je m'en sers pour différentes choses. Et pour les étirements. Et pour la PPG. Elle est pas très gonflée d'ailleurs. Mais ça t'a énormément d'exercices à faire avec juste une Swiss ball. T'es pas obligé d'aller à la salle. T'es encore en cuissard. Ou alors tu viens de te mettre en cuissard. Tu vas partir à ta séance d'entraînement. Tu te fais un peu de réveil musculaire. Mm-hmm. T'as plein. T'as énormément d'exercices. Très basique. Travaille les abdos. Ouais. Tu remontes la balle. Tu peux travailler les dorsaux. D'accord. Tu peux travailler tous les latéraux. Ouais, ça, ça a l'air bien, non? Ça va. Il faut en faire de temps en temps quand même. Et puis après, la Swiss ball, le vrai intérêt, c'est que tu peux faire tous tes étirements à la fin de ta sortie. D'accord. En récupération. Et c'est un outil qui est très agréable. Donc si moi je fais tout ça, dans 2 mois, je suis capable de tirer le 53-11, c'est ça? Bah tout ça, mais pas en une fois, il faut le faire à peu près tous les jours. Ouais. Et ou au moins à raison de 3 fois par semaine, pour avoir un vrai résultat. Mais ouais, tu vas l'emmener le 53-11. Ok, bah je commence tout de suite alors. Commence. Non, je préfère essayer ça moi, tiens. Allez. Je descends, c'est ça, hein? Descends, descends. Voilà. 53-11. 53-11.